Alors bonjour chers amis, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau guide de démons tueurs et je vous montre comment avoir les rênes du dromadaire gris, en fait une monture très rare et très difficile à acquérir et qui demande beaucoup de farm. Alors débutons dès maintenant. Pour acquérir le dromadaire gris, sachez que vous devrez vous rendre à Uldum et farmer des petites statuettes de dromadaire qui se cacheront un peu partout dans le fond dans Uldum. Ces dernières sont très petites et seront toujours accompagnées de soit une roche, soit un buisson ou de quelque chose vraiment pour les cacher. Vous devrez donc vous déplacer au sol ou avoir le add-ons NPC Scan pour pouvoir démasquer les petites statuettes. Ces statuettes repopent une fois à chaque 6 heures et il n'y en aura seulement qu'une à la fois partout dans Uldum. Sachez toutefois que lorsque vous aurez finalement trouvé une statuette, vous aurez 5% des chances d'avoir la bonne statuette et ainsi être téléporté pour aller voir un boss qui vous droppera la monture. Pour les 95% qui restent, vous n'aurez seulement qu'un tas de sable que vous pourrez revendre à un quand même assez bon prix. Je vous mets ici la map dans le fond qui va vous permettre de voir tous les points de spawn des petites statuettes qui repopperont une fois chaque 6 heures. Alors voilà, comme mentionné plus tôt, lorsque vous aurez finalement trouvé la bonne statuette, vous serez téléporté à Feralas plus précisément, où vous pourrez aller battre ce boss qui vous droppera la monture à 100%. Il aura environ 200k de points de vie, ce qui est très facile à tuer étant niveau 90 et vous n'aurez aucun problème à l'abattre. Ceci étant dit, je vous garantis de nombreuses heures de farm, c'est une monture vraiment qui est plaisante à avoir mais qui vous demande beaucoup d'heures de travail. Très peu de personnes l'ont et ce n'est pas pour rien. Alors sur ce, j'espère que vous aurez beaucoup de chance et que vous aurez la monture en très peu de temps. Je vous souhaite bon farm et je vous remercie vraiment beaucoup pour l'écoute, c'est très apprécié. Et je vous dis à la prochaine, chers amis. Bye bye et merci.